Tiens, en cavale, à l'époque, vous aviez quel âge? J'étais très jeune, j'avais 23 ans. 23 ans, voilà. Vous étiez un hors-la-loi depuis combien de temps? J'étais un hors-la-loi, j'étais un hors-la-loi depuis un mois. Seulement? Seulement. Je venais de faire une tentative de hold-up en France qui a échoué. Je m'étais un braquage mis en, un braquage, voilà, tout à fait. Puis je me suis mis en cavale en Allemagne. Et c'est une. Moi, j'aime pas le beau putain, alors je dis une belle de jour ou une belle de nuit, qui m'a tendu la main alors que j'étais complètement désespéré. En Allemagne En Allemagne, tout à fait. Et elle m'a hébergé, elle m'a caché. Cette prostituée m'avait donné une affaire à faire. C'était un receller de bijoux. Vous avez mis sur un. Elle m'a mis sur un coup, on dit dans les polars, voilà, vous m'a mis sur un coup, et puis donc je me suis fait ce receller. Je suis parti. Vous êtes fait, c'est-à-dire que vous avez été le braqué. Oui, j'étais le braqué. Vous ne l'avez pas tué. Ah non, 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 je lui ai donné simplement un petit coup de crosse sur la tête, quoi, pour l'endormir. Mais mon but, ce n'était pas de le tuer, pas du tout. Non, c'était de braquer le butin. C'était de braquer, non, j'avais besoin du butin, j'en avais besoin, tout simplement. J'étais un type en cavale, comme je le dis. Et donc, j'ai réussi mon coup. Je suis parti quelques jours pour écouler le butin. Et lorsque je suis revenu, j'ai vu les scellés sur la porte de mon ami. Je me suis donc inquiété. Et des copines à elle m'ont dit « Elle est à l'hôpital. » J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, elle me dit « Elle a été tabassée par son proxénète et puis par des amis à lui. » Je suis donc allé à l'hôpital, très prudemment, parce que j'ai dit « C'était pas le moment de me faire coincer. » Je suis rentré dans la chambre, comme dans un moulin, c'est qu'à le dire. Et j'ai vu donc mon amie, je vais vous donner son état, elle avait un œil à moitié crevé, elle avait le visage qui avait doublé de volume, elle était couverte de brûlures de cigarettes, d'ecchymose, bras cassés, le bout des tétons qui était sectionné. Et elle m'a dit sur son lit, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit « Robert, j'ai peur, protège-moi, fais quelque chose ». Alors j'ai dit « Te fais pas de soucis, je m'en occupe ». Parce que je savais qu'elle était en danger de mort. C'était... lié au fait que à votre histoire commune, oui, c'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire d'amitié. Non, c'était une grande histoire d'amitié. D'accord. Mais c'était lié à votre histoire commune, le fait que son oui, tout à fait. Son proxénète l'a tabassé parce qu'elle m'avait caché, parce qu'il a su qu'elle m'avait caché, et puis en plus de ça, il voulait mettre la main sur le butin. Il voulait savoir où était le butin que j'avais dérobé. Et bon, elle pouvait pas le dire, la pauvre, puisqu'elle savait pas chez qui j'allais l'écouler. Et bon, voilà. Donc, Et là, vous étiez décidé dans cette chambre d'hôpital, j'étais froid. Ah oui, tout à fait. J'étais froid, j'étais décidé, je voulais sa peau. Donc, je me suis mis en embuscade dans le parking. Et puis, dès qu'il est arrivé, je ne lui ai pas laissé une chance, je lui ai tiré une balle dans le dos parce qu'il était très dangereux. Il était armé lui aussi, et c'était moi ou lui. Et je savais que là, il y avait pas, il y en avait un qui restait. Et je préférais que ça soit lui. Donc, je l'ai tué. Donc vous étiez déterminé, depuis ce moment-là, vous êtes arrivé, vous avez tiré, au moment où vous avez tiré, le type est tombé, etc. Est-ce que quelque chose a changé? Non, j'étais content, j'étais heureux, un peu comme... C'est pas sous le choc, parce qu'entre y penser et le faire, on a l'impression que c'est un monde... C'était décidé, moi vous savez, je suis un être comme ça, quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Je vais jusqu'au bout, et là, il fallait que je le fasse. Pour mon ami, il fallait que je le fasse. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez fait quoi, les moments qui ont suivi? Ensuite, je suis parti, et puis je savais qu'il était mort, donc il n'y avait pas de problème. Je suis parti, et puis après, a commencé une autre histoire. Je suis rentré dans un gang de braqueurs. On était 6. Et pendant 6 mois, je me suis fait 14 hold-up, 14 banques. Alors, pour ma fierté, on n'a jamais tiré un coup de feu, on n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Même une fois, dans une banque, il y avait une dame enceinte, je l'ai fait asseoir. Vous n'avez jamais tiré? Ah non, jamais. Jamais tiré? Dans mes braquages, non. Non. Et la seule fois de votre vie, vous avez tiré, c'est dans le dos de ce proxénète? Le proxénète, oui, tout à fait. Vous avez été revoir cette femme ensuite? Non, je me suis mis en cavale. Non, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. J'espère que... Vous n'avez eu aucune nouvelle donc... Non, parce que vous savez, quand on embarque des banques, on n'a pas le temps de prendre des nouvelles des autres. Tous les matins, c'était l'opération survie. Ouais. Non, je sais simplement qu'elle était débarrassée de cet homme. Et bon, le problème, c'est que j'ai su pendant quelques temps, parce qu'Hambourg, c'est un petit village, que les proxénètes, je voulais ma peau, quoi. Mais bon... Et pas la sienne ensuite, parce qu'il avait des amis, cet homme? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce sans que en être sûr, vu l'acte, n'importe comment, je pense que les proxénètes étaient sur aussi savaient qu'on n'était pas des enfants de cœur. Quand je me suis fait serrer, on était les ennemis publics numéro 2. C'était du numéro 2. Numéro 2, pas numéro 1. Oui, j'ai pas eu cette chance. On était juste après Bader Meinhof. Ah, en Allemagne toujours alors? Toujours, voilà. Oui.
La bande Abadère. La bande Abadère, oui. Mais je ne faisais pas partie de la bande Abadère, je faisais partie d'une autre bande. D'un gang de braqueurs, quoi. Donc, avec des armes à feu, recherchées par toutes les polices. Vous avez été condamné en Allemagne ou en France ? J'ai été condamné en Allemagne et en France. J'ai pris 3 ans et demi en Allemagne et j'ai pris 15 ans en France. Pour braquage ou pour meurtre ? Braquage. Le meurtre, j'ai pris 3 ans et demi parce que, j'étais bien sûr malheureusement, je m'en foutais un peu. Je savais qu'il y avait des caméras, j'ai vu des caméras dans le parking quand j'étais le proxénète, donc j'étais à visage découvert, là, et les flics ont vu que c'était moi. Vous n'avez jamais eu de. Enfin, genre, le fait théorique de prendre la vie d'un autre, par exemple, est-ce que ça, c'est une histoire qui vous a traversé l'esprit ? Ou est-ce que vous étiez fait à l'idée de vivre avec. La mort possible en ayant de toute façon une arme chargée souvent sur vous. Ah non, mais tout à fait. N'importe comment, tous les jours, je côtoyais la mort. Je savais, j'aurais pu me faire tuer comme Mesrine, comme un autre. C'est un risque qu'on accepte. Mesrine avait tué, enfin je veux dire. Oui, avait tué, mais dans d'autres circonstances que les vôtres. Pour moi, c'était un seigneur. Voilà. Moi, c'était un grand seigneur. C'est-à-dire que d'être devenu un meurtrier, ça n'a pas été une idée plus difficile à porter pour vous que d'avoir. Braquer des banques ou d'avoir fait autre chose dans votre vie ? Non, c'était une continuité. Puis ce meurtre-là, je ne le regretterai jamais. Je vous dis honnêtement, M. Delarue, je suis désolé, mais je ne peux pas regretter d'avoir tué une ordure de cet acabit. Ces regrets que vous avez eus en prison, qui vous ont traversé l'esprit, ils sont venus plutôt au début de votre séjour, à la fin ? Quel regret, M. Jean-Luc ? Je ne sais pas, vous nous avez dit ça en préparant l'émission, alors soit oui, vous avez changé d'avis non, depuis. Non, tout à fait, les regrets, j'en ai eu dans le sens où, si vous voulez, je me suis dit quand même, t'as enlevé une vie. Enfin, c'est surtout l'aumônier protestant, je vais vous avouer, c'est l'aumônier qui est venu me voir dans la cellule, qui m'a fait comprendre que j'avais commis un acte quand même grave. D'accord. En lisant la Bible, j'ai compris que cet acte était grave. Mais en tant qu'être humain, je ne dis pas en tant que saint, en tant qu'être humain, j'estime avoir fait quelque chose de bien. Même si c'est interdit par la loi, même si. Je dis qu'il y a des êtres humains. Visiblement, il n'y avait pas que la loi, puisque vous dites un acte grave. Quoi. Et il y avait ma loi aussi. C'est ça, vous faites la différence. Non, mais je veux dire, et puis il y a la loi des hommes, et puis il y a aussi le fait qu'on est compliqué, avec ce côté clair et ce côté obscur qui nous compose. Voilà, c'est-à-dire la bête qui dort en vous. Oui, et aussi le mec bien qui dort en vous. Donc, oui, parce que je vais vous dire, moi je fais beaucoup de bonnes choses. J'ai eu la chance de croiser, entre autres, j'ai sorti un premier livre qui s'appelait Tendre Voyou, j'ai croisé Coluche. J'ai participé donc avec Coluche à pas mal de choses pour les Restos du Cœur. Je m'occupe. Vous avez écrit des polars, vous dirigez une collection. J'ai croisé récemment. Dit Gilbert, qui est le prêtre, je vais m'occuper avec lui de son association parce que ça m'intéresse. Je vais aider les jeunes à se réinsérer. Je dis qu'il faut savoir tendre la main quand ça se mérite. Et comme je disais à madame tout à l'heure. Vous êtes devenu croyant ? Oui, tout à fait. Et je dis ce qui peut sauver aujourd'hui les êtres humains et le monde, c'est avant tout l'amour. C'est savoir donner de l'amour.